Et allô. Bonjour bébé. Oui, ça va chez moi. Je suis en train de partir à l'école. Je vais te dire un truc là. Ça fait une semaine que j'ai un état. Tu vois. On va en parler après toi. Je te dis que je fais un état d'une semaine. Si on doit commencer à enlever, c'est maintenant. On parlait de quoi après? Moi je te dis que je ne veux pas garder cette grossesse là. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Hein? Donc tu sais que mes parents sont sérieux. Pour sortir même ces problèmes, ces grossesses, ils vont accepter. Tu aimes trop ça. Je dis, je veux enlever. Je veux enlever. On parlait de ça après, tu es sûr. Tu vas venir me voir. Et puis on va parler. C'est mieux vis-à-vis. Bien compris. D'accord. Non, je m'appelle après. Oui, moi aussi. Ma soeur. Ma soeur. Oui. Pardon, hein. Concernant ta conversation que tu as eue tout à l'heure. Si le monsieur te dit de garder, faut garder. Regardez, il y a la mort dedans. Hein? Ah. Quand on enlève ça, ça évite les dangers. Ah, mais donc, excusez-moi, donc c'est pas votre première fois. C'est pas ma première fois. J'ai vu les gens avorter ici. Elles sont pas mortes. Donc, c'est pas moi, il y a mon. Ah, ça là, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux pour moi. Moi, tu as une belle femme. En tout cas, comme je dis là, tu es dans mon taxi, tu as eu une conversation. J'ai trouvé bon de te donner un peu de conseil. On ne sait jamais. Puis, sinon, ça là, il y a la mort dedans. Sincèrement, les histoires de curitage, tout ça là. Mais avortement, si tout le temps là. Ah. Mes autres gars là, au moins, ils les mettent. C'est ça? Si je regarde, ils mettent mes autres gars où ça? Oh. Attends, mais tu es trop belle pour. Attends, tu es trop belle pour. Attends, pour me parler comme ça. C'est, attends. Donc ça te gêne même pas de dire tes autres gars. Donc tu en as plein alors. Oui. Je pas joli. Ma soeur, pardon. Non, je te dis en même temps, pardon. Hein? Si tu dis de garder, il faut garder. Parce que ça là, il y a la mort dedans. Hein? Il ne peut pas. Il y a la mort dedans. Il ne peut pas. Ah, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Ça parce que c'est pas parce que c'est lui qui fait un peu tout pour moi. Que moi, il est venu garder sa grossesse. À cause de quoi? Mon junior, mon bébé junior. Il y a même mon bébé junior ou ça. Non mais quand c'est comme ça là aussi là, hein? Quand c'est comme ça, fallait te préserver le jour où tu allais avec lui. Mais lui il n'aime pas ça. Lui il n'aime pas ça. Ah mais tu lui faut lui imposer ça. Sinon le curitage là, c'est que avortement tu es fait là. En tout cas moi c'est de ça que je parle. Désolée. Voilà. Parce que demain, il y a plein de jeunes filles comme ça qui meurent à cause de cette histoire là. D'avortement là. Moi je vais pas mourir au nom de Jésus. Au nom faut de pas, Jésus. Non, faut pas prononcer ça. Pardon. Moi je suis chrétien. Jésus n'accepte même pas ça. Jésus même n'accepte même pas ça la même. Non, il faut arrêter ça. Lui-même il sait que sa fille non. Est souffrie. Tu dis quoi que ça, lui-même il sait que sa fille la fille de qui? Jésus? Oui. Jésus ne permet pas qu'on fasse ça. Non. C'est comme ça vous faites, voilà. Après ça vous dit non. Attends, vous pensez que Jésus a le temps pour ça? Non, Jésus n'a pas le temps pour ces bêtises-là. On vous donne des conseils. Hein? Déjà toi tu sais très bien que dans la vie là, faire un avortement c'est pas bon. Et tu vas dire que ton Jaïr là-haut. Attends, pourquoi? Ton Jaïr là, tu parles. Attends. C'est toi qui es dans mon ventre pour savoir si c'est enceinte, si vraiment enceinte. Moi tu n'es pas enceinte. Et si toi c'est Dieu qui gagnera, il y a besoin d'argent. Oui, il y a besoin d'argent. Alors toi c'est ton travail alors? C'est mon travail, c'est pas mon temps, c'est pas ton affaire. Non, moi j'ai besoin d'argent. Donc je tiens mon gars, que c'est enceinte. Non, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Attends, le monde, on va où aujourd'hui? On va là-bas. On va où ça? Là-bas. Yann, tu vas pas me parler mal à cause de ça. Hein? Moi, je te donne des conseils. Tu comprends? C'est-à-dire que vous avez des comportements qui ne sont pas bien. C'est comme ça que vous faites que vous mourrez dans les cliniques. Tu n'es pas mon père, mon frère. Tu n'es pas mon père. Toi, comme ça, moi, il y a au moins trois à la maison. Oh. Non, je te dis en même temps. Il y a au moins trois à la maison. Il faut aller les conseiller. C'est pas des soeurs, j'ai des filles comme toi. Trois à la maison. Quand tu parles comme moi. Pardon. Attends, on vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Cette histoire de curitage, tu sais ce que ça fait? Et les histoires d'avortement, tu t'entends passer par là, tu sais comment ça fait? La dernière fois, il y a la fille de mon ami qui est décédée comme ça. On vous parle, vous n'écoutez pas. Hein? Tu parles avec un homme, tu sais que tu n'as pas gardé de grossesse. Et puis encore, en plus, tu n'as même pas assez. C'est ton travail. Arrête ça, c'est pas bien. Il faut arrêter ce comportement-là. Bon boulot. Vous restez comme ça. C'est mon boulot, c'est mon bon boulot.
regardez son visage que je regarde là-bas. Hein? Des petites filles comme ça, vos parents vous donnent des conseils à la maison, vous n'écoutez pas, après c'est pour créer des problèmes aux parents. Et ça, je parie que tu vis en quoi en famille. Arrête ce comportement-là. C'est pas bien. Mon frère, arrête, il faut arrêter plus là, faut pas te faire une crise cardiaque ici, hein. Et puis tu n'as pas payé mon argent. Hein. Mon ami, c'est pas à vous que je parle, monsieur. Attends, je vais garder là. Mon frère. Oui, il y a quoi? Non mais attends, depuis là, tu as appris dans ton oreille. Attends, mais pas dans ton oreille, tu n'as pas payé mon argent. Depuis là, tu gémis seulement. Attends, qui gémis? Tu es maintenant descendu et gémis tout à l'heure là. Toi t'as foutaise, moi même plus mon oreille, tu me parles. Non mais attends, depuis là tu l'as pour. Toi tu sais ce que tu fais quoi? Toi tu sais ce que tu fais? Ça, tu as piqué une clique avec ici, c'est pour ne pas payer mon argent. Faut arrêter ça toi aussi. Faut arrêter ça. Ah non mais attends, si tu veux faire ça, faut faire ça sur toi à la maison, pas dans mon taxi. Je peux pas accepter ça. Non mais plus maintenant tu me. Non mais depuis là tu es là pour. Moi je pensais même que tu étais en train de faire les affaires. Attends. Mais comment je peux faire affaire seul ou bien? Non mais comment? Tu gémis, tu gémis. Moi j'ai gémis. T'es là pour. Toi tu sais pas ce que tu me fais dans l'oreille des gens? Toi, tu sais pas? Moi, je sais pas. Je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Mais prochainement, ne sois pas dans mon taxi. Là, non, mais c'est pas bien. Depuis là, tu es là. Attends, moi, je vais me dire, c'est ton argent qui t'intéresse. Non, mais c'est mon argent qui m'intéresse aussi. Depuis là, tu es là. C'est quoi? Arrête ça. Arrête. Tu prends les trucs, mais tu vas vos oreilles. Après, c'est pour casser ton tympan ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête ça. Non, mais non, il faut que tu te dises ouvertement aussi. Si tu es gémis comme ça prochainement, tu n'es pas dans mon taxi. Arrête de me dire que j'ai gémis. Arrête de me dire que j'ai gémis. Non, mais attends, donc t'as quoi de plus maintenant? T'as garé taxi là pour me parler mal. Non, moi je te parle pas mal. Arrête de me parler comme ça. Moi je te parle pas mal, mais vraiment, moi j'ai eu peur, mon argent. Tu as eu peur de mon premier client. Ton premier client, on a roulé quelle distance et puis il a été payé. Non, mais toi, non, tu. Mais moi j'ai même la plume, mais ça, comment on peut arriver? Non, non, mais d'abord tu as commencé. Toi, tu sais ce que plume fait. Mais c'est que si on fait au moins une heure de temps là, tu risques de mourir. On s'en va embroquer, on s'en. Non, mais tu sais pas, toi comment ça gémit? Il y a des fois arrêter de me dire que j'ai gémis. Non, mais c'est ce que tu as fait tout à l'heure. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. On vous parle, vous n'écoutez pas. Tu l'as pour. Non, mais si tu veux gémir encore de ma partie, pourquoi? Ça, c'est moi, je ne serai pas content. Faut arrêter. Voilà. De non. Si ça sort en décembre, fais pas là tout à l'heure. Tu n'as jamais jamais comme un petit. Après ton gémissement. Après que tu as ton frère, si tu prends. Toi, tu me dis que moi, j'ai gémis quoi. Non, mais attends, tu peux. Tu l'as depuis la cour. Ta fille, c'est le péril à Bobo là. Quand moi, tu veux votre truc là, c'est comme ça parler aux gens. Attends, ça veut dire quoi? Attends, moi, il prend ma plume. Toi, tu es la bobolaire. C'est vrai que j'ai vu qu'à Bobo, mais. Attends, mais même à Bobo, on n'a pas ce comportement là. Ça veut dire quoi même? Tout le monde vous dit dans le vécu des gens, c'est comme ça, après vous faites pour être pété là. Ah, donc avant de plume encore, il n'y a rien pété. Non, mais demain, tu as fondé à Gémin là. On est dans loin. On est dans loin. On s'est laissé ici, hein? Non, je te dis ça maintenant. C'est ça qui est suis? Non, non. Je vais te montrer ma pièce. Je vais te dire quelque chose. Prochainement, tu viens comme ça, le policier. Prochainement, tu parles avec moi là, ne tue plus mon épaule. Tu es qui? Yeri, j'ai appelé les éléments, ils vont venir te prendre tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est bon, descends de mon taxi. Je descends pas, et puis on partit, mes éléments vont te prendre tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Toi, tu veux dire que t'es pas habillé? Tu veux me mentir? Tu veux me mentir? Tu es quoi habillé qui a porté les portes boucles dorées? Tu es quoi habillé? Ah, monsieur là. Tu es dans un taxi? Tu es là, tu gémis. C'est quoi? Bon, gars là, il y a descendre. Donne mon argent. Ça s'en a foutaise maintenant. Non, mais c'est bon, il faut descendre même. Allez, espèce de jeune. Il descend, donne-moi mon argent. C'est une fois, il est payé quoi? Tu es arrivé où et Pierre a payé? Bon, descends là-bas. Descends là-bas, espèce de gémisseur. Espèce de gémisseur. Qui fait bon vivre à Abidjan. Bon, je vais appeler ma chérie, lui dis deux mots là, parce que ça, c'est mon petit cœur, je l'adore. Les femmes d'Abidjan, souvent, il faut leur montrer que tu es un vrai mec. Ok. Ouais. Oui, allô? Oui, mon petit cœur, on dit quoi? Ça va? Ok. Ciao présentement. Ah bon, à la maison, hein? Ah bon, moi je suis présentement à la Riviera, là. Je vais croiser un ami, là. Et puis de là, on va sur un parc auto, là. Ah oui, oui. Oui, présentement, je suis dans ma voiture, une nouvelle voiture. J'ai acheté une Porsche, ça fait une semaine maintenant. Je suis dans la Porsche actuellement. Hein. Ouais, une belle Porsche. Non mais chérie, je t'ai dit que j'aime la couleur noire. Une belle poche noire. Ouais.
Ah, oui, c'est moi. Ouais, c'est, ouais. Okay, oui, je vois. Oui, je t'ai dit que 2016, c'est mon année. Hein. C'est l'année de mon année. J'ai deux coups la poche. Samedi, on se voit samedi. Samedi, je te fais la poche, je te montre la poche et puis bon, on fait un truc dedans. Ah, ok, ok. Ah, ouais, 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 ouais. Sans faute, sans faute. Ah bon, elles sont là, hein? Ouais, ouais. Ok, y a pas de problème. Non, ça me gêne pas. Elles viennent, on va. Hein. Ok, tout juste sortir un peu, manger, tourner un peu, boire, là, et puis bon, après on rentre. Dans la nouvelle poche, oui, bébé. Dans la nouvelle poche, bébé. Oui. Ah, à l'Abidjan, bébé. Ok, donc tout à l'heure, bye. Ouais, 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 on se fait ça. Je te rappelle dans quelques temps. Oui, oui, oui. Ok, ok. Oh, ça c'était mon cœur, ça, mon cœur. Mon frère, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous avez dit quoi tout à l'heure au téléphone, là, que vous étiez dans quoi? Dans quelle voiture? Dans ma poche, bien sûr, dans ma poche. C'est mon taxi là qui est devenu votre poche. Eh bien, écoutez, on est à Abidjan, hein. Abidjan, faut se faire valoir, hein. Faut se faire valoir. Non, mais attendez, arrêtez de mentir, c'est pas bien. C'est pas bien, comme ça, vous mentez aux enfants des gens. C'est pas bien. C'est quelqu'un qui travaille. Il y a un problème, monsieur. Il y a un problème, voilà, du moment tu es dans ma voiture et puis tu mens. Vous êtes un chauffeur, il y a un problème. Moi, vous arrêtez, j'ai fait mes business dans votre voiture. Comment? J'appelle, vous plaignez. Non, non, attendez. Vous plaignez pourquoi, monsieur non, le chauffeur? Vous ne pouvez pas être dans ma voiture, ma voiture n'est pas votre bureau. Ah ben ça c'est un voilà. Ce genre de mensonge là, moi je ne peux pas accepter ça. Oh, c'est une poche comment? Abidjan, si on connaît tout, nous tous on connaît ça. Nous tous on fait ça Abidjan ici. C'est comme ça vous faites mentir aux enfants déjà. J'ai ma poche. Que ça ne soit pas une poche ou pas, je m'en fous. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est comme ça le jeune sauvage a enceinté la fille de mon grand frère. Il a menti à la fille, qu'il est ingénieur en truc. Ingénieur en électricité. Voilà, c'est un gars qui fait du courant parallèle dans un quartier. Hein? Oh, il vend du courant parallèle dans un quartier. Il a menti à ma nièce qu'il est ingénieur en électricité. Chauffeur, moi, ce matin, je viens de causer avec mon bébé. Je lui ai dit que c'est ma poche. Non, mais c'est pas bien. C'est quoi vous faites? C'est pas bien. Ma poche. Vous avez quel problème? C'est pas bien. Mais ça me dit, je loue ma poche et je vais la chercher. Vous avez quel problème? Non, 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 monsieur. Alors, non, mais ce qu'on peut. On a Abidjan. Non, mais moi, mon frère. On fait ce qu'on peut pour voir ce qu'on veut. Mon frère, s'il vous plaît. Ce que je peux vous dire là, excusez-moi, sincèrement, ce genre de mensonge là. Je ne peux pas accepter ça dans mon taxi. Ok. Voilà, parce que vous avez un comme ça, dans le là, et vous créez tout un problème aux gens. Si vous n'acceptez pas, voilà. Si vous ne voulez pas ça, voilà. Gardez votre voiture. Non, non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Ce comportement-là, c'est pas bien. Arrêtez ça. Vous mettez seulement l'enfant des gens. Et on se fait du bien dedans, on ne se gêne pas, chauffeur. Ça marche. Non, non, mais moi, dans ma voiture, vous ne pouvez pas faire ça. En 2016, je vous ai dit qu'en 2016. Dans ma voiture, je ne peux pas accepter ça. Dans ma voiture, je ne peux pas accepter ça. D'ailleurs, vous payez combien et puis vous allez vous asseoir dans ma voiture et puis mentir comme ça. Je vous ai dit quand je montais que je vous paye 1200. Mais je descends de l'autre côté, le premier carrefour là-bas, je descends de l'autre côté. Mais arrêtez ça, c'est pas bien aussi. Alors, ce comportement. C'est vrai que vous allez me payer mon argent, mais moi, matin, là, je suis en carême. Hein? Et puis, devant moi, vous allez mentir comme ça, c'est pas bien. Mais vous, aux enfants des gens. Vous, tout ça, c'est pas vous-même. Vous mêlez de quoi, chauffeur? Non, non, mais tout ça, mais c'est pas vous. C'est les petites filles là, elles refusent de travailler, elles veulent rien faire. Je suis en carême. Les garçons là, elles suivent les garçons seulement, c'est ça? Mais c'est ça, c'est comme ça, vous allez toujours les avoir. Ah, ben putain. Je suis sûr que ça, tu as enceinte au moins 5 comme ça. Ça, c'est pas ton problème, chauffeur. Non, mais c'est mon problème, c'est pas bien. Alors, c'est ma chérie, c'est mon petit cœur, je l'appelle. Non, non, mais ce comportement, c'est pas bien. Des mots doux, des mots doux, vous plaignez. C'est des mots doux, je lui ai dit. Alors, les femmes, aiment bien ça, les mots doux. Non, mais mentir jusqu'à ce point-là. Le samedi, je dis. Mentir jusqu'à ce point-là. Non, mais quel problème? Déposez-moi, donnez un carrefour là-bas, chauffeur. Non, non, mais c'est pas bien. Vous arrêtez aussi de mentir. Vous mêlez de tout, chauffeur. Non, non, mais arrêtez de mentir. Moi, j'aime pas ce comportement. Et puis, on dirait, on parle de vous dans ce quartier-là, chauffeur. Quoi ça? Chauffeur Papato, on dirait, on parle de vous dans le quartier. Moi, chauffeur Papato. Vous mêlez de tout. Vous mêlez de tout, garé. Moi, je fais Papato. Ok. Moi, je n'aime pas ce comportement-là. Ne me traitez pas de Papato. Moi, je descends. Vous là, vous mentez, enceinter les enfants des gens. Et puis, truc. Il a sa veste, on dirait, le veste cafard là. Allô? Ouais, mon frère, comment tu vas? Je n'ai même pas dormi la nuit là. Pensez, vous voulez garder ça pour mon seul, hein? Je suis mari cocu, hein? La fille que tu connais là, elle m'a fait ça même. Je n'ai même pas pu dormir. Là, je suis dans un taxi, Joe. Je vais me changer des idées là, je voulais marcher. Qui t'appelle pour voir là où tu es, on allait se croiser pour mieux parler. Ok, dès que j'arrive, il t'appelle. Ok, pas d'accord. Ah, mon frère, excusez, hein. Cocu là, c'est quoi? C'est quoi là? Non, en fait, bon, excuse-moi, comme c'est des mots, nous on n'est pas trop allé loin.
Vous essayez d'aller loin. Tout le monde a les problèmes maintenant, tu as venu parler de ça. Non, en fait, c'est comme, non, en fait, comme c'est un nouveau mot pour moi, là, donc je voulais un peu savoir de quoi il s'agit. C'est trompé, c'est trompé. Ah, donc votre femme nous a trompé alors. Pourquoi tu as mis nerveux maintenant? Pardon. Donc, aller là où on s'en va, tu vas me garer là-bas et descendre, descends, pardon. Non, excusez-moi, sincèrement. Oui, moi, oui, oui, elle m'a trompé. Elle m'a trompé. Excusez-moi, vraiment. Vous savez, moi, je suis baoulé. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Je suis baoulé. Et puis, c'est une fille baoulée même. Si c'est ce que vous la baoulée qu'on trompe, c'est comme ça là. Si ça, c'est, non, c'est, non, pas c'est que elle là, c'est pas une femme baoulée en tant que telle. Baoulé 100%, je suis un pays baoulé. Tu as trompé ton mari. Mais attends, tu sais que tu l'as tué. Mon frère, moi, le conseil que je peux vous donner là. Le conseil que je peux vous donner là. Hein? Mm-hmm. Laissez femme là. Laissez femme là. Non, je t'écoute, hein, je non, non, là, là, non, que non, tu me dis là. Parce que. Mais j'ai l'air, mais fais comment? Ah, mais ça là, ce que vous faites, ça sera encore plus grave. Hein. Et là, là, bon, là, elle vous a trompé avec qui? Vous ne savez même pas pour le moment. Mais ce genre de femme là, même ton frère, même bien à la maison, elle peut faire ça avec lui. Mais c'est vrai, c'est que. Non, mais non, il faut faire très attention. C'est ce qui fait que souvent on dit non, voilà, son frère l'a tué à cause de sa femme, tant, tant, tant. Parce que toi, la femme, si tu fais les yeux doux au frère de ton mari, et que le gars aussi est faible, tu vois un peu ce que ça fait. Si tu la vois, mais tu peux même pas penser qu'elle peut faire ce genre de trucs. Ah, mon ami, ça, c'est pas écrit sur le visage. Hein. Toutes les femmes, bon, je dis pas que toutes les femmes sont les mêmes, mais il faut faire très attention. Moi, ce que je peux te dire, il faut quitter dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de femmes, il y a trop de femmes habitées ici. Je ne sais pas que c'est compliqué, même là, va au village, tu vas, tu prends ta petite femme là-bas. Mais c'est au village, jamais qui est encore compliqué. Non. C'est la même chose, là, tu vas venir les laver, on fait la même chose. Mais, même chose. Non, mais celle-là, toi, là, tu l'as prise où? Tu l'as prise où ça? C'est ça. La même chose, tu prends au village ou tu prends en vélo, elles vont te tromper. Ah. Mon frère, moi, ce que ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Hein? Prenez une femme au village, le temps de venir avec mais elle. Mais toi, tu m'envoies forcément au village. Non, mais les femmes d'Abidjan, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'as tout à l'heure, par exemple, sa camarade peut lui dire que moi, mon mari me donne au moins 4000 francs pour le marché. Tu sais que les femmes là, pour les blagues, c'est facile. Hein? C'est à entre ça. Elles, voilà, sa camarade va lui dire non, mon mari me donne 4000 francs pour le marché. Et quand c'est comme ça même, c'est votre voisine même qui fait ça. Et en ce moment même, la voisine même veut de vous. Mais elle va mettre sa camarade en erreur. Et puis maintenant, vous vous récupérez après. Vous allez voir, si c'est une de ses camarades qui lui fait ça, vous allez voir que cette dernière tu t'appelles comment même? Tu t'appelles comment? Moi? Mmh. Bon, c'est compliqué, hein. Moi, je ne vais pas donner mon nom comme ça. En plus, on ne se connaît pas, c'est vrai, vous êtes dans mon taxi, moi je vous donne les conseils. C'est le chauffeur aussi qui parle un peu trop là. Mon frère, moi je suis en train de vous donner des conseils, il parle trop. C'est un conseil, mais tu parles un peu trop. Ah! Bon, ok. Il faut continuer dans cette histoire-là. Ouais, faut allons, tu le jour, elle va te gorger sur le lit, là. C'est ça que tu vas comprendre. Parce que quand c'est comme ça, là. J'ai pris un peu dans tes conseils, hein. Je ne peux pas en profiter pour me dire qu'elle va me gorger. Non, non, mais c'est comme ça, mais attends, la conclusion, c'est ça. Comme ça. Oh, mais c'est pour vous ça parlez où, pensez que ça. Croiser un ami, on va bien en parler. Quand tu m'as donné un peu d'idées, là. Ah, non, mais c'est je vais le conseil. Associer avec en ça tout aussi. Cas, c'est, vois, oui, hein. Mais c'est le conseil que moi je peux vous donner, hein. Sincèrement, si vous m'écoutez, ça vous fait du bien. Sincèrement. C'est qu'on fait. Voilà, il faut quitter dans cette histoire-là. Il faut quitter dedans. Ok, merci, frère. Merci. Oui, alors oui, c'est M. Sion, PDG de la société Zanga. Oui, la nouvelle société là. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de 3 conteneurs de, comment on appelle, des produits là. Voilà. Mon collaborateur va passer prendre ça. Ok, ok. Allô, au revoir. Mon frère. Oui. Excusez-moi. Hein. Ouais. Vous êtes PDG de quoi? La société Zanga. Zanga. Vous connaissez? Non, je ne connais pas, c'est pour ça que je vous demande. Okay. Vous êtes où? On est basé derrière, comment on appelle, la société de, comment on appelle, production. Mais attends, c'est pourquoi tout ça? Excusez-moi, vous ne le savez pas, un DG, je suis un PDG. Hein. Non, le PDG, j'ai un visage. Un PDG qui porte boucle d'oreille, je ne sais pas. Mais attends, moi j'ai bâti ma société, dont je mets les boucles quand je veux. Non, ça là, je ne peux pas accepter ça, sincèrement. Excusez-moi, mais ça là, je ne peux pas accepter ça. Le PDG qui a boucle d'oreille, est-ce que c'est sûr même que la société Zanga, est-ce que ça existe même? L'Afrique, c'est pas facile. Non. L'Afrique, c'est pas facile pour moi. Non. Attends, c'est comme ça vous faites, vous pouvez escroquer les gens? Ah bon, hein? Non, mais c'est ça. On se connaît, monsieur? Non, mais un PDG qui boucle d'oreille, moi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait mes études en Europe. Attends, mais si les Africains sont complexés, moi, je ne comprends pas. Je porte mes boucles là. À quoi ça vous concerne? À quoi? Non, mais ce n'est pas une histoire de complexe, mais le comportement, ce n'est pas bien. C'est comme ça, vous mentez et puis à tout moment, c'est pas bien. Tu es quel PDG? Mais là, je suis surpris hein, de votre réaction. Non, je ne connais pas, vous m'abordez d'une manière, je ne comprends pas. Non, mais vous êtes dans mon taxi et puis vous commencez à mentir. Moi, je ne veux pas accepter ça. Ah, donc je mens.
Non, mais c'est un peu de ta boucle d'oreille. Excusez-moi, mais sincèrement, moi, je crois pas. Tu étais Zanga. Donc, attends, c'est comme ça que vous faites anaquer. Donc, c'est, tu voulais me voir en costume pour croire que je suis un PDG? Non, 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 pas forcément en costume. Mais la boucle d'oreille, là, sincèrement, je ne veux pas. Non, ça, c'est pas. Non. Où vous avez fait votre formation même pour être PDG, là? Tu n'as pas fait l'Europe, donc tu ne peux pas savoir. Là, il sait pas. Toi, un simple taximètre, tu ne vas pas me poser des questions comme ça. Non, non, hey, mon frère, excuse-moi, je ne dis pas un simple taximètre. Tu es un simple taximètre, tu n'as pas regardé, tu fais quoi? Je ne savais pas ce que j'ai. Moi, taxi. Comment dans votre taxi pour vous aider, vous parlez mal aux gens encore? Tu as quoi? Tu as ça jusqu'à 10. Ça me fait 20 ans que je suis dans cette histoire. Et vous, comme ça, là. Ça te rappelle comme des miettes. Non, non. Ou des miettes, tu mettras de n'importe. Ça veut dire quoi? Comment? 10 taxis, vous savez ma recette du jour? La société Zanga, là, tu sais comment on gagne par jour? Zanga, c'est quoi? Que Zanga, c'est quoi? Zanga, c'est quoi? Mais vous êtes des menteurs? Vous montez dans le véhicule des gens, c'est pour mentir aux gens? Oui, il y a des prédés. La société Zanga. La société Zanga. Zanga, c'est quoi? Attends, monsieur. C'est un menteur. C'est un qui porte les boucles d'oreilles. Monsieur, vous allez un peu loin. Non, je ne vais pas loin, non, mais bon, c'est arrêter. Non, mais bon, c'est arrêter de mentir. Arrêtez de mentir. Vous montez toujours, c'est chauffer au rêve des gens. Moi, on ne pas. On a fait cette soutien pour aider les jeunes aujourd'hui. Mais je ne parle mal. C'est pour ça que c'est de l'escroquerie. Vous m'étonnez quoi? Toi comme ça là. Vous m'étonnez. Et puis attends, quand tu regardes ton visage là, oui. Je sais qu'on se connaît quelque part. On se connaît? Bon, moi attends, je vous connais même pas. Tu étais au PK18 non? PK18. Peut-être non, dis-moi la vérité. PK18 c'est quoi ça? Oui, tu étais au PK18. C'est quoi ça? À PK18. Bobo, un quartier à Bobo. À Bobo, je connais même pas à Bobo. PK18? PK18. Non, non, non. C'est la première fois que j'entends ce nom. Mais tu as fait le pont au Wasakara? Mais pourquoi tu m'envoies dans ces quartiers bizarres là? Je vois ton visage. Tu vois mon visage? Mon visage parle maintenant? Non, non, mais c'est pas une histoire. Non, mais c'est pas une histoire comme ça. Mais vous, ça veut dire que vous êtes là, vous promenez dans Bizan, vous mentez aux gens, vous récupérez de la société. Zanga, Zanga, c'est quoi? Non, c'est Zanga, mais je veux savoir même. L'essentiel, demain, on lance des trucs. Si tu peux venir déposer ton. On va pas laisser ça sur moi ici, on lance des trucs. C'est comme ça que vous êtes pour. On a besoin des chauffeurs, on va vous aider. Zanga. Zanga cherche des chauffeurs. Moi, je peux jamais conduire. Je vais vous laisser ma carte. Tout à l'heure, vous m'appelez. À qui ce était Zanga là? Non, pardon, je peux pas. Zanga, vous êtes un peu frustré de façon là. Non, je suis pas frustré. Mais c'est pas frustré. Moi, je m'en sors. J'ai pris le taxi. Il a fait quoi, Zanga? Et puis Zanga là, c'est quoi? Vous contentez du peu. La société Zanga est venue pour vous aider. Qu'est-ce que Zanga là, c'est quoi même au juste? Vous faites quoi au juste? Vous faites quoi au juste, Zanga là? On fait un peu de tout. C'est des menteurs. On fait un peu de tout. Et puis toi, je sais que je te connais très bien. Bonjour. C'est un menteur. C'est quoi ça vous promet d'abuser? Tu as dit qu'elle m'a tué PK18. Tu as fait PK18, si mon avis. PK18. Tu as fait PK18. Je vais chercher si pour voir ce que ça avait dit. Quoi ça? Faut pas te foutre de mon quartier. Je vais. Vous êtes là, vous promenez d'abuser, c'est pour mentir aux gens de temps en temps. Voilà, bon, allez, descendez, donnez mon argent. Je suis même pas encore arrivé. Mais vous êtes frustré, on dirait. Non, 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 c'est pas une histoire d'être frustré, mais j'aime pas ce comportement. Vous mentez, c'est pour mentir. Non, et ça, là, je n'aime pas facile, ça. Vraiment, la fixe, arrêtez ça. Bon. Tu as pour durer et puis tu as vu me dire que tu es sous tes Zanga. Arrêtez ça. Je vais descendre parce que là, ça devient un peu trop. Ok, donc, ouais. Donnez mon argent. On devrait vous chercher. Je vais vous remettre ma carte. Je ne veux pas votre carte. Zanga, là, je ne veux même pas même. Zanga là, si c'est Zanga là. Ça pour vous aider en Afrique, c'est un peu difficile. Non, mais c'est Zanga. Zanga c'est quoi? Ok, bon, chauffeur frustré, je descends ici. Là, faut pas m'appeler chauffeur frustré. Hein. Si vous êtes... Non, tu m'appelles pas chauffeur frustré. Et là, moi, ce bouteur là. Souhaitez Zanga. Zanga c'est quoi? Allô? Ouais. Ouais, Chantal, comment tu vas? Ça va? J'attendais mon coup de fil quoi. Donc, on prend rendez-vous dans le même coin, l'hôtel d'à côté là. Voilà. Oh non, pardon, faut venir vite hein, parce que je dois partir quelque part. Voilà. Va là-bas maintenant. Attends-moi là-bas. Ok. Bon, tout à l'heure. Amour de moi. Kiki Poco. On dit quoi, bébé? Oui. Ah, tu as préparé. Ok, je dois partir récupérer un colis là. Donc, donne-moi 2 heures de temps, je vais passer te voir là-bas. Voilà, c'est que tu as porté la fois dernière. Là. Ok. Donc tout à l'heure. Ok. Allô? Ouais, pas dit. Hein? Voilà, prends le parfum. Voilà, le parfum que tu. Voilà. Voilà. Tu vas partir. Tu vas rester chez ta caméra. Il n'y a personne là-bas. Et ça sera aux environs de 20h. Là, hein. Voilà. Là, tu prends une bonne bouteille. Puis là, on va passer la soirée ensemble.
Donc à tout à l'heure, je t'aime. Mon frère. Oui. Excusez-moi. Hein, de... En tout cas, excusez-moi. Mais tous ceux que tu appelles là, toutes celles que tu appelles là, sont tes copines, sont tes femmes. C'est mes copines. Mais à quoi ça te réel? Tu fais tout ça, là, tu laisses tout ce sang là dehors là. Tu as fait comment pour satisfaire madame à la maison? Il n'y a même pas, Yann. Il n'y a même pas une seule femme. Il y a deux femmes à la maison. Attends, je te dis, le sang que je laisse dehors là, tu as me rembourser le sang là. Non, non, mais c'est pas une histoire de rembourser. T'as quel problème? Non, t'as quel problème? Je comprends pas. C'est ma vie. Tu es là depuis, tu es monté là. Ça fait près de trucs, mais tu as pris au moins 15 femmes. Et tu as encore. Attends. C'est comme ça que vous faites pour avoir chose. Après, à 30 ans déjà, vous avez les histoires de prostate, tout ça. Tout ça. C'est pas. Il t'a déjà montré ma pièce et puis t'as amené 30 ans. Non, mais quand je te réalise, c'est que tu es encore jeune. Oui, il dit, frère. Tu es encore jeune. Frère. Non, mais c'est pas bien. Non, non, non. Tu montes dans mon taxi et puis tu es là. Ton taxi, l'on paye ou bien. Non, non, mais c'est vrai que tu payes. C'est l'Amérique qui donne. C'est vrai que tu payes. Mais tu vois, moi c'est. En tout cas, c'est des conseils de trucs. Je te donne des conseils. Mais donc, quel conseil? Tu ne me connais même pas, tu me donnes des conseils. Non, non, mais quand je te réalise, je sais que tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu as le même sang que moi. On a le même sang. Je sais que je suis ivoirien. Donc, il donne un conseil. Arrêtez ça là. Mais non, non, mais tu es là. Les taximans de maintenant, vous occupez trop d'avis de votre vie. Non, tu arrêter ça. Mais quoi? Tu es en communication. Tu fais ça pour chasser. Non, mais plein de femmes comme ça sur toi. Plein de femmes là, ça te dérange. Ça me dérange. Pas demain là, toi, tu es malade ici. Et c'est celle qui les deux qui sont à la maison qui vont souffrir. C'est pas bien. Ça donne prostate. Beaucoup de femmes, ça donne prostate. Moi, j'aime pas ça. Hein. Non, non, mais c'est pas bon. Pardon. Pardon. Attends. On m'appelle là, on m'appelle. Allô, oui, tu es déjà à l'hôtel là? Ok. Il n'y a pas tardé. C'est un homme marié. Vous aussi arrêtez ça, vous les jeunes filles là. Il a marié. Il a deux femmes à la maison. Non, mais c'est pas bien ce que vous faites. Frère, hein? Yann, faut t'occuper de ton taxi. Non, mais je m'occupe de ton taxi. Non, sincèrement, dans mon taxi. Faut t'occuper de ton taxi. Aussi, arrête ce genre de comportement. Mais ça veut dire quoi? Parce que tu vis de ça là, c'est comme moi, je vis de ça aussi. Ah, tu vis de l'amour. Mais ça veut dire quoi? Attends, Wortol, Doufan, 9-8, par jour, là, chaque jour là. C'est de ça que tu vis? C'est si toi, je fais Wortol là. Non, mais c'est quoi, je fais? Non, non, mais ça veut dire quoi? Ici, l'Abidjan, chacun a son travail. Attends, mais toi, tu. Chacun a son travail ici. Tu attends. Bon, tu as décidé d'être taximètre, tu es taximètre, ça s'arrête là. Le taximètre, Papato, parle un peu trop là. Ça veut dire quoi? Mon frère. Non, tu vas pas me traiter de Papato. Mais tu es Papato, tu parles un peu trop. Ça veut dire quoi? Mais tu es pas de Papato, je suis en train de donner des conseils. Mais non, quel conseil? Tu es mon papa, ouais. Je suis pas mon papa, mais demain, quand tu es malade ici, là. C'est les deux femmes là qui vont souffrir à la maison. C'est ce qui m'énerve. J'ai dit, quand ils vont placer ma bâche et puis vont, tu vas voir ma photo là, faut partir, faut pas venir t'asseoir. Mais c'est bon, Yoro, t'as envie de voir ta photo. C'est ça pas veut dire quoi? Quand vous commencez à votre jeune âge, au lieu de vous conserver, vous ne vous conservez pas. Après maintenant, à 30 ans, 35 ans. C'est sardine quoi, elle me conserver. Ça veut dire quoi? C'est ma jeunesse, c'est ça, vite, non, donne-moi m'aider là. Ça veut dire quoi? Tu es sardine, tu connais ce qu'on appelle sardine. Tu viens me conserver. Mais arrête ce comportement là aussi. Tu as toujours deux femmes à la maison. C'est pas bien. Tu sais ce que c'est dans cela, c'est juste après maintenant avoir prostate, à votre jeune âge déjà, à 40 ans, tu as prostate. On vous donne conseil, vous n'écoutez pas. Mais ce comportement-là. Les médicaments, les cocos, on se soigne ça. T'as médicaments, les cocos, t'as de soigner ça. Ouais. Ok. C'est vous là qui prenez les médicaments, les aphrodisiaques là, pour vous tuer. Il y a ces histoires de atoter, vous mettez dans ta tête. Demain maintenant, vous avez une prostate. Il y a ça dans mon sac actuellement même. Faut continuer. Il y a continué. À 40 ans, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ok. Continue à 40 ans, tu vas me donner ton numéro, t'appeler. Tu vas m'appeler. Moi, tu vas prendre mon numéro pour faire quoi? Le conseil que je peux donner, c'est dans ma voiture ici. Voilà, là, c'est tout. Pas la peine. Non, mais c'est pas bien. Ce genre de comportement là, c'est pas bien. La vie est belle, hein? Oh ma chérie. Ma vie comme ça. Tu peux pas imaginer. Hier, j'ai eu. Je te dis pas, tu vois pas comment mon sac est gros. Hein? Et lourd. Ah, touche un peu. Yeah. C'est lourd. Hein? Tu sais, il y a combien actuellement? Hmm. Oh, il a coupé le gars. Il n'a pas de cherche-femme. Hmm. Il a eu. Matin, il était dans le bureau là. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh, Mathilde, pleurez! Pleurer toutes les larmes de mon corps. Je dis pleurer. Ça, c'est pour dire, mais chérie, tais-toi. Je dis, ma grand-mère est malade, elle est au village. Ils n'ont rien vu encore. On doit la soigner, on doit l'opérer. Elle n'a pas l'âge. Je dis, bon bébé, ça fait combien? Ça fait 300 000. Dieu, mes parents n'ont rien. Ça fait 300 000. C'est 1 million, yes. Tout à l'heure, je dois recevoir encore un message pour la confirmation. Transférer ça sur moi. Mais dis-moi, c'est quoi, mais actuellement, c'est pas possible. Tu sais, il t'a dit qu'il se passe que le gars 300 000. Tu connais le reste. Aïe, aïe, aïe. Tu connais le reste. Et actuellement, là, mon putain, mon magasin de pagne, mon magasin de choses. Comme assuré. Ça. Il y a payé ma petite voiture. Monsieur. Quoi? Oui. Excusez-moi. Hein.
Moi, c'est vrai, je suis un chauffeur de taxi, tout et tout. Mais je suis un homme aussi. Écoute. Est-ce que ce que vous faites là, c'est bien? C'est quoi on fait? Non, on a fait quoi d'abord? Mais allez, comme tout à l'heure, ce que toi tu as dit tout à l'heure, là, tu as coupé ton gaou. C'est quoi, toi, ce comportement là? Tu peux pas être dans ça et puis avoir foyer. Ils ne veulent pas rester avec leur femme. Et puis ils ont envie de dépenser leur jeton. Non, tu es marié. Tu dis que tu ne veux pas ta femme. Que tu, elle n'est pas fraîche. C'est nous les jeunes filles fraîches. C'est assez. C'est qu'on veut faire, c'est quoi? C'est ça. Tu vas payer. Non, non, mais quand c'est comme ça, là, vous aussi, est-ce que vous oubliez, alors vous oubliez que. Hein, avec le temps, votre âge avance, tout et tout. Quand ça va arriver, on va voir ce qu'on doit faire. Celles qui sont assises là-bas, là, elles aussi, elles ont vécu ça. Moi, je suis les mafres, je suis une fille, je suis belle. Mon teint. Non, il est venu marcher, tu vas venir me chercher comme ça. Non, et puis, mais... moi, il est mon teint. Ma soeur, est-ce que tu sais que ça, c'est une beauté passagère? Tu sais que c'est, mon frère, c'est un temps. Passager, pendant que c'est là, ma camarade en profite. Il ne faut pas même pas l'écouter. On en profite. Non, mais c'est pas bien. Attends, toi, tu veux qu'on fasse quoi? On a qu'à leur donner ça à cadeau. Non, non, mais ce comportement-là, moi je peux vous dire que c'est vrai, vous êtes, moi je, quand je vous là, je sais que vous êtes mes petites soeurs, hein, mais arrêtez ce genre de comportement, c'est pas bien. Parce que le message. Quand vous faites, quand, quoi ça le message est venu. Le message de confirmation. Ah, tu agis. Non, le mais, donc, tout ça là, c'est, non, tout ça là, c'est pas vous-même. C'est les garçons qui ne veulent pas rester tranquilles là, c'est ça. Non, mais c'est pas vous avez raison. Mais moi, je peux vous donner un petit conseil. Si vous continuez dans ça là, vous allez vieillir. Chauffeur. Et puis, chauffeur. Vous n'allez pas vous marier. C'est pas bien. On va venir chez toi. C'est un petit peu. Moi, je vais venir chez qui? Aïe, la beauté. Chez moi. Parce que vous entendez parler là. Tiens, la beauté, la chaise. Vous ne pouvez pas venir chez moi. La beauté s'entretient. Moi, je peux vous donner des conseils. Dès maintenant, c'est pas encore tard. Désolé. Ne viens pas. Je suis désolé. La beauté s'entretient. Bon, s'il vous plaît. Arrêtez non, vous laissez ça là. Non, non, arrêtez. Moi, je paye ma pommade quoi. Je paye mon parfum quoi. Mes chaussures. Quand il n'y a pas de pommade, quoi ça là. Il est content. Je paye ça quoi. Ok, ok. Mais moi. Je paye ça cadeau comme ça. Attends, on est arrivé. On arrive à votre carrefour. Le prochain carrefour. Ok, ok. Tiens, attendez. Monsieur Mina, dans le quartier, mais il y a mon vieux gars. Moi, ce que je vous dis. Lui qui est un truc là. Lui qui t'a pas donné le directeur là. Je vais l'appeler. Attends. Mais soeur. Quoi? Excusez-moi, ce genre de comportement-là, on ne peut jamais avoir foyer avec. Ça fait rien. Tout simplement, vous êtes encore jeune. Profitez de votre jeunesse pour avoir un bon foyer, un bon mari. C'est pas bien. De la vie. On profite de la vie. Mais ce comportement-là, c'est pas bien. Est-ce que vous savez si. Vous avez dit quelque chose, hein? Je voulais rester dans cette histoire-là. Si vous tombez sur un garçon bancal, garçon qui est bancal, est-ce que vous le connaissez? C'est quoi avec garçon? Garçon qui est bancal, est-ce que vous connaissez? Quelqu'un qui a les pieds arqués. Tu sais ce qu'il y a au milieu? Vous continuez à ça, vous êtes tombé sur un garçon bancal, il va vous foudroyer, hein? Et puis là, ta jeunesse est foutue, c'est fini. Hein? Pourquoi? Moi, c'est un conseil que je vous donne. Arrêtez ça. Dès maintenant, c'est ça, vous marier. Toi, t'es encore très belle, toi, mais t'es mon genre. Tu n'as même pas mon genre. Tu n'as même pas mon genre. La vie de taxi, là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Ça, là, moi, j'ai jusqu'à 10. Je dis. Et puis, ça peut faire quoi? En une journée, nous, on a une journée. Moi, je cherche à payer ça. Quand tu as venu me dire à payer au moins 100 taxes, ça peut faire quoi? Non, mais ce comportement aussi, c'est pas bien. Vous faites des trucs, les garçons. Vous pouvez rester comme ça. Après, vous n'avez plus foyer. Ça peut devenir sorcière. Tu dis que tu nous veux, là, ça peut remplir des 100 sans payer ou bien? Non, non, donnez mon argent. C'est pas comme ça, nous donner laquelle, là. Non, non, donnez mon argent avant de descendre. Donnez mon argent. Ne me touche pas. Oh, donne mon argent. Il aime ça. C'est comme ça vous faites vos trucs. Donne mon argent. Vous êtes là, de belles femmes comme ça, vous êtes là. Quand vous vous promenez, on est avec le conneries. Arrêtez ça. Non, moi, non, 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 je plais. Mais tu veux bouffer dans nos millions. J'ai mon numéro. Non, j'ai le numéro de ta fille. Comment? Dis taxi là. À tomber, il faut rester là. Moi, mon taxi va tomber. Regarde, femme comme elle là, il y a plein qui a fait tomber. Il te dit ça aujourd'hui. Tu as compris? Femme comme elle là. Moi, il y a plein qui a fait tomber. Me fait trop rire. Quand tu t'assois, vous dites que tu me fais tomber. Moi, tu me fais tomber. Ok. Moi, ça me fait 10 ans que je suis dans cette histoire de taxi là. J'ai au moins 15. Ça me fait maintenant 10. Ça a augmenté. 10 ans. Ah, c'est enfants. Arrêtez ce genre de comportement là. C'est pour vous promener, escroquer les garçons à tout moment, de temps en temps. C'est pas bien. Attends, donnez mon argent, vous allez descendre. On a compris. On a compris. Ok. Mais descendez, c'est bon. Allô? Oui. Là où je suis, je ne vais pas trop parler. Donc, je vais te rappeler si tu sens. Que ça sent comme. Tu rappelles qui? C'est qui tu dois rappeler? C'est un ami là qui m'a appelé là. C'est ami, on ne peut pas parler avec lui et puis on va le rappeler. On est dans un taxi, il y a trop de bruit. Tu vois ça, il y a madame, taxi, chose. Vu quoi? Madame, s'il vous plaît. Oui. Mais laissez-le respirer un peu. Est-ce que je ne respire pas? Non, mais quelqu'un l'appelle. Donc, peut-être qu'ils sont patrons, tout et tout. C'est votre mari. Quel patron? Il vient de dire que c'est son ami. Quel patron?
Je te rappelle comment. Mais quand c'est composé, c'est pas bien. Laissez l'esprit, c'est enfant de quelqu'un. On est dans quoi, on aurait pu quoi. Non, mais quand on vous met dans l'œuvre, c'est comme ça ma femme me fatigue à tout moment. Quand on vous met à la maison, c'est maintenant que vous montrez votre deuxième face. Moi, ça ne me plaît pas. Bien, parce qu'il y a des choses que vous ne nous dites pas, vous cachez non, des choses. On cache quoi? Mon frère, toi aussi, mon frère. Mon frère, toi aussi. Arrête de mettre à bout dedans. Vous parlez un peu trop aussi là. Ah, mon ami. Moi, je sentais de défendre, c'est comme ça que tu as me parlé. Oui, c'est comme ça que tu as parlé. Oui, mais c'est comme ça que vous faites des coups. Non, mais c'est comme ça que vous faites. Moi, c'est comportement. C'est vous là qui faites que les femmes là se comportent comme ça là. C'est normal. Garçon mouton comme ça. Oui, oui, il y a certes. Mais c'est garçon mouton comme ça là. Moi, je m'en sais ça là. Ils sont en train d'essayer de voir cette histoire là. Mais on vous on essaie de vous donner les conseils, hein, essaie de voir aussi. Qui on doit rappeler ça là, moi je dois savoir ça. Tu dois compter chaque jour. C'est ça là, c'est une chose. Pardon, c'est un comportement comme ça qu'il faut éviter. Ma femme et moi, s'il te plaît. Hein? Toi, non, mais toi aussi, ton taxi, non, mais non. Pour rouler ton taxi. Ok, moi, c'est pas. Voilà, mais moi, ce genre de comportement-là, moi, j'aime pas qu'on on se comporte comme ça. Faut dire ça à ta femme. Moi, je suis pas ta femme. Tu dis quoi? Faut dire ça à ta femme. C'est à moi que tu parles comme ça. Mais tu as qui est bien avant de parler comme ça? Aïe. Mais attends, est-ce que toi, tu. Je vais te donner des explications. Alors. Ok. C'est bien sûr. Moi, je te dis quelque chose. Toi, tu es garçon comme moi, je ne peux pas accepter qu'une femme me parle comme ça. Et si ce comportement, tu veux continuer comme ça, je sais qu'un jour tu as fait parler à ton frère. Ça fait rien. Voilà. Ça fait rien. Tu veux la femme comme ça, là, tu veux de la maison. Et après, c'est. Le mari mouton comme ça, tu es là, tu es. Et ça, je confirme même que tes amis ne peuvent même pas te rendre. Ils ne viennent même pas, même. Ils ne viennent pas. Ce comportement-là. Et vous les femmes aussi, je vais lui dire, là, quand on vous prend, dès qu'on c'est là maintenant vous montez votre deuxième face et vous voulez maintenant commander tout. Mais moi j'aime pas ce comportement là. Hein. Moi, ça là, tu montes dans mon taxi, tu pardon, te comportes comme ça là. Pardon, tu peux en faire des gens pour charger là. Ça veut dire quoi? Si je suis mouton, c'est ton problème. C'est mon problème. C'est ton problème? Oui, c'est mon problème. Ou tu vas nous voir prochainement pour nous prendre là? Mais moi-même là, si vous voyez prochainement, même, je ne vous prends même pas. Parce que ça là, ce comportement là, il passe. Parce que tu parles trop dans notre affaire. Oui, mais vous descendez où? C'est où? Toi, tu sais, quand on montait, on t'a pas dit où on descendait. Moi, j'ai oublié. Parce que celle-là, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire des gens. C'est normal que tu oublies. Là, ne mettrais pas de quoi partout, hein, t'as compris. Toi, tu es là, tu joues au mouton. Une femme te commande, elle te le fait, c'est qu'elle veut. Là, tu joues. Vers la pharmacie, là. Regardez. Donne-moi mon argent. Elle descend. C'est forcé. J'ai pas envie de payer. Donne-moi mon argent. Oh, c'est exagéré. Mon argent, elle descend. C'est combien? Faut lui donner la moitié. Tant que donner, t'as gardé la monnaie. Donne mon argent, vous allez descendre. Allez, pardon. Pas toi jouer au mouton et puis elle va te faire ce que tu veux. Frère, bonjour. Non, bonjour mon frère. Alors, dépose-moi la pharmacie là. Ah, ok. C'est 3 000 aises. Ah, ok, 3 000 aises. Oui, allô. Frère. Ah, mais c'est comment? Non, je suis pas là, je suis à Dubaï. Ouais, je suis à Dubaï. Comme ils sont en Romina, il n'y a pas de souci. Non, tu peux causer. Ouais. Bon d'accord, quand je viens, on gère ça. Hein? Quand je viens, on gère ça. Non, pas maintenant, parce que de Dubaï, je vais à Atlanta là. Voilà. Non, pas t'inquiéter, c'est les affaires. Ouais, c'est les affaires. Voilà. Non, toi aussi. Toi aussi, c'est réseau. Ouais. Voilà. En tout cas, tu as tout compris. Il n'y a pas de souci, Voilà, donc, on se rappelle. Voilà, on se rappelle. Ok, il n'y a pas de souci. Hé, hey, Roaming là même, qui a créé Roaming là? Vraiment, c'est pas. Mon frère. Oui. Excusez-moi. Hein. Mm-hmm. Tout à l'heure, vous avez dit quoi? Vous êtes en quoi, Roaming? Je suis en Roaming, ça veut dire que je ne suis pas au pays, mais je suis ben, le même numéro. Ah, mon frère, ben, mais arrêtez de mentir comme ça, c'est pas bien. Tu montais tout à l'heure dans mon taxi, tu me dis non que tu vas à Kumasi. Ben, c'est pas ton frère t'appelle, tu me dis, ouvertement que truc. C'est pas bien. Mon frère, hein? Pardon, où je suis là, je suis fatigué. Hein? Dépose-moi. J'ai fait mes choses. Non, mais attends, mais ce genre de mensonge là aussi, là, tu ne peux pas accepter ça. Mais c'est pas à toi, elle menti. Non, mais quand tu mens comme ça, c'est pas bien. Moi, j'ai toujours dit, je dis toujours à mes clients. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas accepter qu'on mente dans ma voiture. Bon, attends, tu veux m'éduquer quoi? Non, mais je ne t'éduque pas, mais c'est pas bien. Pourquoi tu dis, man? Tout à l'heure, tu mens, tu payes 3 000. C'est ça que tu veux dire, man. Pour commencer, tu viens encore du roaming.
Mais ça fait quoi? Mais tiens, il y a le roaming là même. C'est ça, mais non, vraiment, les blancs même, c'est d'accord. Pas la peine. Ce sont eux qui permettent tout ça là, c'est les blancs qui font tout ça là. Oui, oui, c'est la peine, hein? Ouais. Ouais, tu te lèves, tu es assis dans une voiture, dans mon taxi, et tu mens dans ma voiture. Bah, c'est que tu roules là, c'est blanc qui a créé. Non, mais c'est blanc qui a créé, mais moi je prends pas ça pour mentir, je laisse pas les gens. Non, mais tu vas, attends, tu montes dans le taxi. Dépose-moi, hein. Tu restes derrière moi, et puis derrière moi, tu mens. Moi je suis chrétien, hein. Non, moi je peux pas accepter ça, je suis chrétien. D'accord. Si tu vas à l'église, moi j'ai pas me signaler. Faut dire, pasteur, il y a vu quelqu'un qui dit qu'il est en roaming. Tu dis quoi? Merci. Faut me signaler au pasteur. Je te signale au pasteur comment? Ah. C'est Dieu qui va te payer ce comportement là. C'est Dieu qui. Vous comme ça, c'est Dieu qui vous paye toujours. Y a pas tu es un roaming, non? Y a pas de. Faut toujours un roaming. Hein. Est-ce que ça mais quand tu vas te. Dieu va te frapper. Est-ce que tu connais Dieu même? Dieu va te frapper un jour. Ah! Attends, ouais. vous laissez là, vous mentez à tout moment. Ah. Est-ce que vous connaissez la colère de Dieu? C'est la même chose, voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'ai menti. Mais voilà une encore qui est montée tout à l'heure, la même. Et puis, ils n'aiment pas. Mais pour avoir Dieu, mais pourquoi j'ai ce problème avec cette journée-là? Ah. T'as dit que tu m'as dit tout à l'heure, elle vient, elle ment. Et toi aussi, tu es un homme, un bel homme comme toi. Et tu commences à mentir dans ma voiture. C'est la même là, il y a payé ça en roaming. On dirait que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu dis quoi, toi, Ren? Voilà. Attends, j'ai garé d'abord. Mais c'est moi, j'ai menti, non? C'est à toi, j'ai menti. Non, mais c'est de l'escroquerie, c'est quoi vous faites? C'est toi, qui escroqué. C'est de l'escroquerie mentale. C'est toi, j'ai escroqué. Si tu ne sais pas, on appelle escroquerie mentale. Pardon. Parce que tu escroques la mentalité de l'autre. Mon c'est frère, que tu fais. Si c'est pas parce que. Tu as remis, tu as remis comment? Parce qu'on est en plein truc là. Si on allait descendre, t'as compris non? Non, mais tu t'as donné mon arrêt d'abord. On n'allait pas arriver à commencer. C'est toi, donné mon arrêt d'abord. Arrêtez ça, c'est pas bien. Tu as remis. Viens, t'as silencié ça. Roaming, mais les blancs même là, comment ils peuvent trouver des mots comme ça? Roaming. Mais est-ce qu'il était insulté? Mais roaming, c'est ça mec qui m'énerve. Mon frère, pardon, faut garer et descendre. André, que toi tu cherches pas. Non, mais c'est pas bien. Non, André, pas tu as quel roaming? Tu descends de ma voiture. Bien, voilà. Tu es un menteur, roaming. Roaming, c'est quoi? Ma chérie, où tu vas? Les mèches que tu as achetées dans le magasin, vraiment, c'était pas trop de bonne qualité. Tu vois, ça pique. Donc, je veux de nouvelles mèches péruviennes, là, mais longueur triangulaire, ça sera bien. Non, prochainement. Est-ce que tu es prêt pour aller à l'achat? C'est quoi ça? C'est un appart. C'est pas que tu ne vas pas acheter. Non. C'est ça? Non. Hey. Par rapport au fait qu'on habite ensemble, j'ai demandé à papa de venir. Il m'a dit que vraiment, comme mon ami elle est âgée, il lui a dit c'est une grande soeur du quartier, elle est gentille. Il dit vraiment, il n'est pas d'accord. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Je demande pardon de plus. Il ne faut pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? D'accord. Donc, comment je vais. Ma chérie. Oui, monsieur. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Comme ça. Une femme caressée comme ça. C'est pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis à la petite à devenir habiter avec toi, tout ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi on habite ensemble. Ah, ensemble comment? Ensemble, comme tu vis avec ta femme. Donc, c'est ta femme. Ça se voit pas. Ça se voit pas que nous sommes en couple. Attends, ma fille. Je sais que tu es ma fille. Quand je te regarde là. Mmh. Attends, tu es trop jolie pour ça. Elle est jolie pourquoi? Chacun a ses choix dans la vie. Moi, je l'ai choisie. Elle est jolie pour elle que moi. C'est parce qu'elle est jolie que je la veux. Quoi ça? Tu la veux? Devant toi là-bas. En tout cas, mais, moi. Attends, il dit, madame, s'il vous plaît, mais attends, ça c'est du gâchis, ce que vous faites là. C'est quel gâchis? Qu'est-ce que mais, tu appelles gâchis? Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour toi. Vous êtes là. Pas, tu, faut pas moi, je pas les plaisirs. Attends, mais attends, quel plaisir tu peux tirer de ça là? Mon frère, chacun a ses choix dans la vie. Moi, j'ai choisi mon bébé. Elle me compte de bonheur. Elle m'aime. Quel bonheur? Elle va te. Oh non, arrête ça, oh. J'aime pas ce comportement. Est-ce qu'il est bonheur là? Regardez. Mon frère, je pense que tu es jaloux. Carrément, non, mais c'est parce pas que bien. Je peux pas comprendre. On est en train de s'amouracher et puis toi tu te mets. Attends, tu parles de quel amouracher? Mais c'est pas tant. C'est ce que tu vois faire. Là. Ça se voit pas ou bien? Excusez-moi, attendez, j'ai garé, on va bien causer, s'il vous plaît. Pardon, allons-y, non, on est pressé là, pardon. Non, excusez-moi, non, madame. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Monsieur. Non, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est du gâchis, c'est une petite fille. C'est mon frère. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Non, je te dis, c'est quoi tes parents là? Moi, je les appelle pour leur dire ça. Je les appeler pour leur dire. Ah, il faut me dire. Attends, vous promenez comme ça dans le budget, vous êtes là, vous faites. C'est pas. Le petit papa, elle a déjà fait sa vie. Et puis elle, elle va te gâter. Elle me gâter de quoi? C'est ce que je l'aime. Elle va te gâter. Je l'aime. Il y a un problème à l'amour.
Il y a un problème à l'amour. Non, 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 vous allez descendre, c'est mieux. Non. Non, non, vous allez descendre. On ne peut pas descendre. Mais on ne peut pas vous embourager aussi dans ma voiture. Deux femmes s'embourager dans ma voiture. Quoi ton problème? Attends. Quoi ton problème? Transpirer. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Quoi ton problème? Allons-y. Même si c'est même, si, même vous deux là, si vous voulez que moi il m'occupe de. Il m'occupe de. Ça là, c'est moi, de moi, qui? Moi je me purise. Je me purise, j'ai les nerfs, je me purise toujours. Arrêtez ça. Pardon, allons-y. On t'aime pas, on n'aime pas les hommes. On n'aime pas les hommes. C'est ma chérie là, ça te fait mal ou bien? On n'aime pas les hommes. Ça te fait mal. Il y a pas de problème. C'est pas bien. Non, non, ma soeur, pardon, celle-là c'est une petite fille. Elle connaît rien. C'est pas une petite fille. Il faut arrêter ce comportement. C'est pas une petite fille. C'est pas bien. Je l'aime comme ça. Tu connais mon âge. Elle est petite même que je l'aime encore. C'est le mot, mais je ne veux même pas entendre la même. Tu l'aimes comment? Je l'adore, je l'aime. Tu l'aimes comment? Oh, 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 Yeri, descendez, c'est mieux. Ah, monsieur. Descendez. Il n'y a rien dans la jalousie. Jalousie, là, il n'y a rien. Carrément, regardez devant vous, on va partir. Regardez-le. Mais c'est quoi comportement, ça, là? Tu es gris, là. Tu es là, tu es frais, tu conduis, tu es gris. C'est comme ça que vous faites, après, vous allez perdre de ventre, mais bête, là. Oui, oui. On va soigner. Elle va te donner quoi? Où tu es là? Elle va te donner quoi? Soigner plein de monsieur. Elle va te blesser, Oui, elle va me blesser. Toi, quand elle est là, enfin, hein. Arrêtez ça! Tu gères le comportement, c'est pas bien! Vous êtes là, on doit faire l'homme et la femme pour qu'on soit ensemble. Maintenant, vous deux, vous allez vous marier pour faire quoi? Monsieur, pardonnez, allons-y. On peut rien faire. Ne me touche plus. Allons-y. Je dis, ne me touche pas. Moi, je vais te toucher. Non, 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 arrêtez ça. Il l'aime bien. Ouais, ça. Je n'aime pas. Il est jaloux, il faut le laisser. C'est pas bien. Allons-y, on est pressé. Oh, voilà. Pardon, pardon, donne-lui des conseils, c'est ta petite soeur. Laisse-la vivre sa vie. Toi, tu as déjà vécu, c'est fini. Pardon, s'il te plaît. Hein? Arrêtez ça. Bon, vous descendez où même? On va continuer, puis vous laissez où? C'était où? Tu sais plus. Je dis arrête de la caresser. À force de mais c'est ma chérie, regarde. Non, 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 c'est pas bon. Non, 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 non. À force de me descendre. Qu'est-ce qui t'appartient? Ça là, ça là, ça là, ça là, ça m'appartient. Ma fille, ma fille. Je te dis que. Non, non, tu m'as fait. Pardon, il n'y a pas ta fille. Arrête ce comportement-là. Celle-là, elle va te tuer. Pardon, de où là? Ok. Mais descendez, donnez-moi mon argent. On arrive. On n'est pas encore arrivé à notre aide. Descendez et puis payer. Pendant que tu ne nous as pas déposé où on va. Il faut continuer à voir. Ok, moi, je ne veux pas votre argent. Mais ma fille, ce que peux te donner. Monsieur, garde tes conseils pour tes enfants. Ok, je vous remercie. Continue dans cela. Mais plein de ventes, tu vas te tuer après là. Tu vas savoir. Ma copine. C'est dans le pain à l'œil là-dedans. Yeah! Il y avait tous mes gars là. Ils veulent me voir. Il a fait comment? Il a fait comment? Actuellement, ma maman m'a appelé. Elle dit que mon petit frère est malade. Je dois envoyer l'argent. L'argent de sac de riz. École de ma petite soeur. Mon papa aussi, il dit il veut portable. Ils sont au village là-bas. Ils mettent tout sous moi, petit ici. Hey! Il a fait comment, ma camarade? D'accord. Je t'appelle après. Je t'appelle. Hein? Mais à toi aussi, qui va rater chaud ça là, qui va rater? Que j'en dis, DJ Misa, tu es le soir. Qui va rater? Ma camarade, il t'appelle. À tout à l'heure. Yeah! Ah! François, il aime tout ça. Allô? Il dit c'est à Trècheville. C'est ma grande mère là. On se voit quand? Aujourd'hui à samedi, non? Bon, attends, faut voir. À 20, il y a quelle heure? Midi. C'est quand on se voit à 14h. D'accord, je viens chez toi. Il n'y a pas de transport de télévision en même temps. Et puis mon argent que tu viens me donner, là, je ne peux pas encore donner depuis là. Tu exagères. Hein? Il est venu. Mais il n'est pas trop dur. Hein? Toi, tu sais que c'est moi qui m'occupe de ma grand-mère. Il n'est pas trop dur. Mais il est venu. Hein? Ok. Donc, à tout à l'heure. Pourquoi tu as parlé sur moi? Il ne faut même pas que tu as parlé sur moi. Tu me connais, non? Ok. Il a fait une chandelle poisson. Il a fait un peu de l'argent. Il m'appelle, c'est lui qui laisse son téléphone sonner. Hein, allô? Oui. Pourquoi c'est comme ça? Faut parler vite. Tu sais que tu m'énerves actuellement. Hein? Donc, quand tu sais que j'ai les bonnes nouvelles, comment faut parler vite? Donc, tu sais quoi? Devenir. Aujourd'hui, la même. Quelle heure? 16h.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Mais aïe, tu me disais que je suis allée au courant chez ma tante et puis tu t'es parlé. Ma tante, elle est sévère. Je ne peux pas dormir dehors. Il ne vient pas durer, toujours en train de m'appeler. Hein, faut pas faire ça. Bienvenue, on parle du jeu, mais la prochaine fois, il te promet quoi. Il n'y a pas de problème. Non, tu as mené combien? Tu peux même pas mettre 50 000 dessus. Hein? Tu as mettre. Tu as tué. Ouais, tu es le meilleur chéri du monde. Ok, je t'aime à tout à l'heure. Ma chérie. Hein? Là, il peut dire ma fille, parce que quand il y a ton visage, il sait que tu peux être ma fille. Mmh. Mais tous ceux que tu appelles là sont tes gars? Oui, où est le problème? Ma fille. Quoi? Tu sens pas que tu es en train de prendre de l'âge? Hein? Mais il est folle, c'est ça là. Non, mais tu sens pas que tu es en train de prendre de l'âge, tu es en train de vieillir avant ton âge? C'est pas bien. C'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire d'âge, bébé. Non, mais il faut arrêter ça. Hein? Pardon. Mais s'il n'y a pas un, non, s'il n'y a pas un qui peut s'occuper de ma famille. Moi, là, mes parents, ils sont au village. Toujours, toujours. C'est moi qui ai payé l'école de mes petits frères. Les soigner, payer sac de riz pour envoyer au village. Savon, tout ça, c'est moi. Oui, mais c'est vrai, tout ça, c'est pas. Bon, c'est, ça, il faut, je sais. Mais ou bien cherche à travailler, ou bien cherche à faire mais quelque moi, chose. Non, je vais à l'école. Mon école, c'est moi-même qui paye. Ah, mais sinon, que ça, c'est pas une vie, hein. C'est mais pas une vie. Moi, en tout cas. Depuis là, tu étais au téléphone, moi je t'écoutais, tout et tout. Bon, excuse-moi ainsi, c'est ta vie privée, hein, mais bon, en tout cas, je te donne un petit conseil. Il y a trop de maladies maintenant. C'est vrai, tout ce que tu expliques, c'est un problème, c'est vrai, c'est des problèmes. Mais tu vois que ça sera encore plus pire si tu tombes malade. Tu vois un peu, en ce moment-là, qui va s'occuper de toi? Moi là, il veut mes choses aller avec précaution. Où je suis là? Je vais aller où? Si je ne veux pas ça, je vais aller où? Ma maison là, qui va payer? Mon studio où je suis là, qui va payer? C'est vrai, tu as raison, le grand frère, tu as raison. Mais je ne peux pas. Il faut essayer. Parce que pour toi-même ta propre santé, pour toi-même ta vie. Hein, c'est parmi ceux-là, parmi tous ceux-là. Hein, tu sais, on peut pas finir de régler le problème de la vie. Parce que tu sais, on ne peut jamais finir de régler le problème de la vie. Si tu veux forcément régler tout ça là, toi-même tu ne vas pas t'en sortir. Ce que moi je vais te donner comme conseil, parmi tous ces camarades-là. Tes gars, tous ceux que tu as appelé tout à l'heure, là. Essaye de voir d'entre eux qui est un peu sérieux, en qui tu peux mettre un peu ta confiance, tout, et puis reste avec lui, c'est bien quoi. Confiance en garçon d'Abidjan ici. Tonton, c'est vrai. Tu es mon grand frère, mais tu es un peu papato. Chacun a sa vie. Ma fille, pardon, hein. Non, chacun moi, c'est le conseil que je vais te donner, hein. C'est vrai que tu me donnes des conseils, mais tu es papato. Non, je te permets pas, Non, sérieux, tu es déjà non, non, je te permets pas. Toi, comme je ça, là, moi, dans ton taxi. Je suis obligé de parler de ma vie. Non, écoute-moi. Non, sérieux. Non, attends, je te dis quelque chose. Non. Quand je te regarde là, tu as au moins le même âge que ma première fille. Tu comprends? C'est pour ça que je te donne des conseils, mais tu vas pas me traiter de papa. Toi, ce moment là, tu sors matin, tu viens conduire taxi. Moi, mon papa là, il est couché au village là-bas, il est couché à Bongwanou là-bas. C'est moi aussi que je lui ai envoyé l'argent. Donc, de faire quoi? Mais c'est pas pour cela que tu as me traité de quoi pas tout. Je suis en train de donner des conseils. Non, j'aime pas ce comportement. Non, j'aime pas ce comportement. Non, sérieux, tu as non, non, non. Tu dois mettre de tout en place, tu fais à ta cliente. C'est vrai, toi. Non, je vais. Attends. Tes clients, vraiment, ils doivent t'insulter. Ah, non, attends, je vais te dire quelque chose. Parce tu es ma fille. Non, tu es ma fille, je te donne des conseils, tu vas m'écouter. Tu vas pas me traiter comme pato. Tu es pas pato. Attends, si tu n'as pas reçu d'éducation, là, tu as pas. Attends, c'est comme ça que vous êtes mal éduqué à la maison et vous sortez comme ça, vous insultez les gens. Ta fille, hein? Moi, je sais ce qu'elle fait dehors. Tu dis quoi? Ta fille qui a même âge que moi, là, tu sais ce qu'elle fait dehors. Bon, ma fille, elle a la maison. Est-ce que tu la connais? Non, ma fille, elle est sérieuse, elle est à la maison. On sent même en toi-même que tu es impoli. Oui. Quand tu me regardes, il peut pas avoir le même âge que ton papa. Je te donne des conseils, tu me traites de papato. Pourquoi c'est pas que tu me vois dans un taxi? Hein? Comment j'ai commencé à conduire le taxi? Toi, t'es pas encore né. Toi, tu comprends mon âge. Tu as quel âge et puis tu me dis ça? Je suis belle que je me vois se conserver. Sinon, je suis un peu âgée. Tu as conservé ça, c'est conservation ça? C'est ça t'appelles conservation? C'est ça t'appelles conservation? Papato. Et vous dites là, vous prenez dans la prison. Et maman, il était là. Et puis ça, je sais que tout ce que tu as dit, mais c'est faux. C'est parce que tu veux te vendre toi-même que tu comportes comme ça. Arrête ça, c'est pas bien. Hein? Tu es très jeune, tu es belle. C'est ça, te marier. Mais j'aime pas ça. Arrête ce comportement-là. Oui, allô. Hein? Tu es où ça? Marco.
de venir là-bas directement. D'accord. On va aller où ça? Dans un coin là. Je suis trop efficace, j'aime ça. À tout à l'heure. Oh, j'aime trop ça. Oh, il a porté une longue robe là. Tu as fait comme on a bien, ouais. Tout à l'heure. C'est un peu plat qui c'est un peu plat. J'aime trop ça. Chauffeur. Oui, madame. On va, faut m'envoyer à Makori. Quoi ça? Faut m'envoyer à Makori. Non, je ne peux pas accepter ça. Quand tu as venu avec ton mari, c'est pas ton mari ou bien ton copain ou bien ton quoi là, tout à l'heure là, il m'a dit monsieur, descendez ma femme à Yopougon. On part à Yopougon. Moi je peux pas s'appeler pas à Makori. Mais moi je te dis que j'étais à Makori. Quoi est ton affaire? Et quand vous êtes monté, c'est pas toi qui m'a dit que tu partais quelque part. C'est ton mari qui m'a dit, ou bien c'est pas c'est ton gars ou bien tu sais pas. Mais c'est lui qui m'a dit dépose ma chérie à Yopougon. Moi tu. On est comme ça sur la direction. Mais non, moi-même, on m'a dit on t'a dit de me déposer à Yopougon. Moi, il a dit, faut m'envoyer à Makori. Non, je ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter pourquoi? Ouais, parce que je suis un homme comme lui. Mais attends. Tu as ce comportement là. Tu peux pas accepter ça. Tu es en relation. Lui qui est venu me déposer là. Tu crois la vie de nos relations? Non, mais ce comportement, c'est pas bien. Mais ce comportement n'est pas bien pour moi. C'est pas bien. Je ne vais plus à Yopougon, dépose-moi à Makori. Non, mais déjà, moi, l'agent, il m'a dit de te déposer à Yopougon. Tu vas le faire quoi, Makori? Ou bien on va à Yopougon, moi, je te dépose, et après, tu prends le taxi, tu vas à Makori. Non, je suis désolé. Voilà. Ton argent, là, c'est chez qui? C'est chez moi. Non, mais mon argent, c'est toi, et puis tu vas me donner. Non, moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Moi, je suis un chrétien. Dépose-moi dans mon Makori. Non. Moi, je suis un chrétien, je peux jamais m'amuser comme ça. Non. Et puis, attends, mais toi, ton affaire est où? Mon affaire. C'est que mon problème sur cette histoire là, c'est que ton mari m'a dit de te déposer. C'est pas mon mari, il y a quoi? C'est pas ton mari. Mais quand vous êtes arrêté là, quand tu montais dans le taxi, tu lui as fait une bise, non? Et puis moi, ton affaire, ma bouche. Non, c'est pas ton mari, tu lui as fait une bise, non? C'est ma bouche, elle fait une bise. Qu'elle veut. Ah, ok, c'est moi qui suis sur la direction. Elle n'est pas obligée de passer mon mot. Je parle beaucoup. Aïe, je dis. Regarde, ne me déconcentre pas. Je dis, ici là, faut tourner. Je dis. Faut pas me déconcentrer. Tu te demandes pour qui, mais faut tourner. Il faut conduire. Faut pas m'énerver. Regarde, attends. Tu veux des problèmes? Tu vas me créer quel problème? Tu veux des problèmes? Tu vas me créer quel problème? Je te dis quelque chose, hein. C'est travail de taxi qui m'a maîtrisé. Elle me connaît même. Et puis tu vas me faire quoi? Faut me conduire et me faire carrément. Touche mon épaule encore. Viens, j'ai touché. Viens, je vais te frapper, hein. Tu vas me faire quoi? C'est comme ça que vous promenez dans le budget là? Prends des garçons, vous promenez partout. C'est pas ton affaire, fais ton travail. C'est ton travail qui est intéressant. Je n'aime pas ce comportement là. Et puis je ne peux pas t'envoyer à Yopougon. Les choses à Makori. On s'en va à Yopougon. Regarde là, vous ne pouvez pas te faire accident. Non. Donne mon argent. Donne mon argent et puis tu descends ici. Tu descends ici et puis tu continues. Moi je ne peux pas t'envoyer à Makori. Tu me connais? Tu me connais? Tu es qui? Tu me connais? Tu es qui? Tu es qui? Taxi, tu vas garer, tu vas te frapper, tu me connais? Tu me connais? Alors, je vais te frapper. Je vais te parler quelque chose. Hein. Je vais te montrer mon côté noussi maintenant. Mais toi, tu es tellement noussi quoi. Je vais te parler mon côté noussi. Après, il est garé d'abord. Voilà. Je vais te parler, périssez. Pourquoi comme ça là? Hein? Il y a au moins trois que je nourris à la maison. Mmh. Et puis au-delà, si tu vois que je suis utilisé là. Mmh. Si tu vois que je suis maîtrisé là. Hein? C'est passé au lieu des femmes et enfants. Sur toi quoi, y'a d'abas ça là non? Y'a dit tu es garçon, viens me toucher. Y'a d'abas ça là non? Tu es garçon, mais carrément. Elle te connaît. Ça va pas dans ta tête. Ça va pas là-bas. Y'a, faut m'envoyer dans mon Makori, s'il te plaît. Ça monte, il dit que ça va pas dans ma tête. Faut m'envoyer dans mon Makori là-bas. Moi je veux pas Makori. Et puis ce que tu as fait, tu as fait. Je te dis ça en même temps. Tu vas me déposer, puis il va. C'est comme ça, vous promenez dans le prison, prends l'un des garçons, te promenez de garçon à garçon, et puis maintenant demain c'est ça vous guérit dans la chose. C'est quel comportement ça là? Le monsieur vient avec toi, vous embrassez, mais moi j'étais content parce que vous faites un beau couple. Mmh. Et tu montes maintenant, tu me dis tu vas à Makori. À Makori, c'est mes chimètres. Tu vas à Makori pour faire quoi? Ton problème là où? Ton problème là où? Et puis regarde la route. Il vient te frapper, hein? Ça, c'est pas toi. Il faut conduire. Ça, il y a des garçons qui se promènent à Abidjan, ils tombent sur des femmes, ils savent pas comment tu. Et ils pensent qu'ils ont une femme. C'est ça, c'est des femmes comme ça là. Tu me connais? Non, moi je garde, descends, faut descendre, c'est mieux. Prends un autre taxi, tu vas partir. Ton affaire. Descends. Ton affaire. Descends, tu vas partir, descends, tu vas partir. Tu n'auras rien. Bon, c'est bon, je veux pas la. 25, tu vas pas faire aujourd'hui. Ok, descends. Bateau. Non, faut descendre, descends de ma voiture. C'est comme ça, c'est vous les chauffeurs comme ça. Là. Vous n'avancez pas, votre taxi. C'est toujours au truc de. Descends là-bas, faut descendre. Il n'y a même pas ton argent. Mais regardez comment elle va là-bas. Vous promenez d'abuser de garçon à garçon. Le monsieur te fait mettre dans la voiture tout à l'heure là. Tu dis que tu vas à Yopougon et on arrive en route, tu vas à Makori.